Maëva Martinet tacle les influenceurs qui servent de l'islam pour le business. Marine Limé, Mila Jasmine, Dylan Thierry, Fidi Ruiz, nombreux sont les candidats de télé-réalité qui se sont convertis à l'islam et qui l'affichent publiquement. Si certains influenceurs communiquent sur leur religion depuis longtemps, la sœur jumelle d'Océane Limé s'est récemment confiée sur sa reconversion et a même posté plusieurs photos et vidéos de son pèlerinage à la Mecque. Si certains musulmans sont fiers de voir une célébrité véhiculer une bonne image de leur religion, d'autres l'accusent d'utiliser la communauté musulmane pour le business. C'est le cas de Maëva Martinet qui a poussé un gros coup de gueule sur ses réseaux. Fière d'avoir fait son pèlerinage à la Mecque, elle a récemment publié plusieurs photos sur son feed Instagram. Un choix qui n'a pas forcément plu aux internautes, puisque Marine Limé a été fortement critiquée. Ils lui reprochent de trop en montrer sur les réseaux et de ne pas respecter certaines règles. Et les choses ne se sont pas améliorées puisque Marine vient de créer sa première collection d'abaya. Des robes traditionnelles islamiques pour femmes musulmanes. Lassée de voir ce genre de contenu, Maëva Martinet a décidé de pousser un coup de gueule. Je n'ai aucun problème avec les gens qui sont dans la religion. Je n'ai aucun problème à ce qu'on en parle, à ce que ça se voit. Les gens qui surexposent, mettent en scène, mais que tu vois bien qu'il y a un énorme manque de cohérence avec tout le reste, il y a une certaine hypocrisie. Ça me dérange. Guillaumet. Maëva donne en exemple Fidi et Natania qui parlent de leur religion respective sans mise en scène. Pour en revenir aux autres, l'ex-candidate de télé-réalité n'en démord pas et semble viser Marine et Dylan, quand je connais les dessous. Je ne peux que penser du mal parce qu'il y a ce que vous voyez et ce que je sais. Je me demande si ce n'est pas pour attirer une communauté. Quand tu connais l'envers du décor, tu sais qu'il y a de l'hypocrisie. C'est une mode de devenir musulman, car ça fait marcher la consommation et c'est bon pour le business. Et certaines personnes le savent. Je ne trouve pas ça sale la manière dont c'est utilisé. Étalé. Je suis sidéré de voir certaines choses sur les réseaux sociaux. Virgule, je doute de la sincérité de certaines personnes.